père. Accorde-moi le salut. Où est-ce que leur dieu trouve le temps de s'occuper de toutes ces pleurnicheries? Qu'est-ce qui t'a pris, Ivar? Théolbert aurait pu se faire tuer. Qui suis-je pour empêcher un jeune garçon de trouver son propre courage? Ne cherche pas d'excuses. Tu ne penses qu'à t'amuser. Non. Ce n'est pas Ivar qui m'a envoyé. J'étais volontaire. Sois prudent, petit. Tant que ton père n'est pas couronné, tu es l'ennemi de la Mercy, pas son champion. Tu comprends? Oui, je comprends. Bien. Maintenant, rentre à Repton et reste-y jusqu'à ce qu'on t'appelle. Tu ne restes pas, ami des loups. Il n'y a pas de roi, mais ça ne manque pas de cadavres à dépouiller. Atel Swiss, la femme de Burkred. Elle est à Templebro. Je vais aller découvrir ce qu'elle sait. Prenez tout! Empilez les soldats ici! Que ces gens puissent voir le carnage qui attend leur royaume! Celui qui entraîne ces soldats merciens mérite bien d'être congédié, je crois.
Berserker est scellé sur ses terres. Que peux-tu bien ? Vous en sortez mieux que ce taiseux. Il... Eivor, te voilà. Et qui sont ces prisonniers? Des hommes du fort, sortis en patrouille. On les a fait parler. Burgred n'est pas là. C'est Atelswiss, sa reine, qui le protège. Ils ont dû être séparés après Tamworth. C'est ce que m'avait dit Cheolbert, à l'Edcestre. Cheolbert? Que faisait-il là-bas? Ivar! C'est une longue histoire, mais il va bien. Je l'ai envoyé à Repton. Qu'est-ce que ça donne ici? L'ennemi ne va pas tarder à envoyer des gens chercher ses hommes. Nous devons entrer et trouver Atelswiss. S'emparer d'une reine pour trouver un roi. Ça peut marcher. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Essaie de tirer d'eux d'autres informations. Eivor et moi allons nous charger de capturer Atelswiss. Codin, guide vos pas. Les Saxons ne vont pas nous accueillir à bras ouverts. On peut essayer d'entrer discrètement. Ce que j'ai pu rêver de ce jour. Celui où tu parcourais un comté à la recherche d'un roi? Celui où je me ferais viking. Avec toi, avec nos frères et sœurs. À conquérir de nouvelles terres. Alliés. Montre-moi ces terres, mon ami.
inconnu. Qu'il en soit ainsi. Je suis là, où je désire être. Moi aussi, mon frère. On m'attaquera à vue par ici. Agissons en viking, alors. Des soldats. A-t-elle suicidé peut-être ? Thank you.
Toutes les trois, filez. Dame Atel Swiss, je vois que Borgred a fait son possible pour vous cacher. Mais ce qui est perdu finit toujours par être retrouvé. Accordez la liberté à mes suivantes. Les pauvres n'y sont pour rien. Tu entends ça, Eivor ? Noble, altruiste, le genre de femme avec qui on peut conclure un marché. Une dame de qualité. Nous ne voulons que ton roi. Dis-nous ce cache Borgred, et nous partirons sans verser une goutte de sang. Je vous en prie, je n'en sais rien. Très efficace, Sigurd. Elle n'a pas conscience de sa situation, mais elle va vite comprendre. Un instant. Ce sont des mains de la Vendière. C'est une servante. Elle n'est qu'un leurre. Oh, garde ! Je connais une... Les Danois vont trouver. Occupe-toi des servantes. Je vais suivre Atel Swiss. N'approche pas de moi! À l'aide! À moi! Mon mari vous enverra tous en enfer.
t'avise pas de poser les mains sur moi. N'approche pas de moi. Mon mari vous enverra tous en enfer. C'était bien pensé, ta seigneurie. Tu ne nous as pas facilité le travail. Je t'interdis de me toucher, païen. Ton sens de l'hospitalité s'est envolé. Voilà qui est clair. Relâche-moi. Je l'exige. Après le mal que tu m'as donné, ce serait idiot de ma part. As-tu conscience de ce que tu fais, païen? Je suis la reine de Mercy. Tu perds ton temps, je ne parlerai pas. Ni à toi, ni à aucun de tes frères barbares. Je t'invite à... Serait-ce que pour ton peuple? Qui sait combien risque de mourir de nos mains de barbares? Tu ne me fais pas peur. Alors tu es stupide. Dame Athelswiss, ta situation est peu enviable. Dieu fera rôtir ton âme païenne, s'il t'en trouve une. Je l'ai prise, Eivor. Elle est aussi poète que toi. Où est ma Cadeline? Qu'avez-vous fait d'elle? Tu veux parler de ta servante? La fille courageuse qui a revêtu tes atours? Elle est enchaînée avec les autres. Je vais les ramener à Tamworth. Nous les ferons parler. Si l'un de vous ose porter la main sur elle. Je vais informer Théowulf. Il saura peut-être comment parvenir à la faire prier. Je te retrouverai là-bas. Sigurd, et pour les prisonniers? On a ce qu'il nous fallait. Relâche-les